Il trône là en attendant d'être acquis sans doute à prix d'or. Voici le trésor d'Hérisset, 497 pièces d'or découvertes ici en février 2012 dans une maison ancienne de vendangeurs en cours de restauration et appartenant au champagne Lançon. C'est un ouvrier qui fit cette incroyable découverte. Surprise phénoménale, en tirant un petit sachet est tombé. Et puis un deuxième sachet, et le salarié a pris ses sachets sur la tête, et en se baissant pour regarder ce dont il s'agissait, il a découvert que ça brillait bien. Des pièces d'or bien connues des collectionneurs, et aujourd'hui estimées au total à 700 000 euros. Les premières pièces de 1850 sont rares, et celles de 1924 sont dans un état parfait. Certaines sont dans un état parfait, puisqu'elles n'ont jamais été utilisées ou mises en circulation, donc ça donne la rareté à la pièce, plus qu'au poids de l'or. La vente aux enchères sera organisée aux États-Unis le 3 juin prochain par la société Bonhams, troisième plus grosse maison de vente aux enchères après Sotheby's et Christie's. En attendant, le public peut jusqu'à jeudi venir contempler ce trésor à Paris.